quand Marseille et Paris s'affrontent. La France a les yeux rivés sur ce classique. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jour. Salut à toutes et à tous. Marseille-PSG, c'est le classique du foot français. C'est simple en France, il y a le Tour de France, il y a Roland-Garros et il y a Marseille-Paris. Il y a aussi le cassoulet, la quiche Lorraine, mais ça n'a rien à voir. Effectivement, et vous l'avez reconnu, voilà notre nouveau consultant gastronomie, ODF, Omar Da Fonseca. Mais le football, c'est comme la gastronomie. C'est le plaisir de la vue, du toucher, du goût. C'est le plaisir des sens, c'est pareil. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Kondogbia sera accompagné d'Eusberg au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Magnifique ce contre. Les joueurs qui débutent côté PSG, Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Achraf Hakimi avec Bruno Mendes dans les couloirs. Et pour finir donc, une seule pointe en avant. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Vitinha. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et oui. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Dembélé. Et le duel remporté par Balerdi. Tiens, on va s'intéresser à Ousmane Dembélé. On le sait, on le connaît. C'est l'homme à surveiller. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Marco Asensio est bien donné en profondeur. Ouais, super intervention défensive pour empêcher la frappe. Sur le site officiel pour avoir la chance de gagner un maillot dédicacé. Oh, par l'OM. Eh oui, c'est bien vu ça. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Eh, la nouvelle perte de balle pour l'OM. La préparation pour Ousmane Dembélé. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et les Marseillais ont du champ sur le côté. Vitinha. Il faut centrer là-dessus. Et le tir. Oh, ça va au fond, but! Au ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Voilà, le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Interception et récupération du ballon. Ah, c'est bien joué, le ballon par-dessus. Ah, et le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Il y a du soutien en attaque. Et un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Manque à des synchronisations entre passe et réception. Heuberg.
peut frapper pour égaliser. Et Donnarumma qui se défend pour écarter le ballon. Le corner bien tiré. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! C'est bien parti pour ce corner. La corner qui finit directement sur le gardien. Ce ballon perdu par Achraf Hakimi. La passe en profondeur, c'est dangereux. Oui, bien fait, c'est pour Greenwood. Goal, 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 goal. L'égalisation de l'OM. Regardez, il est magnifique ce coup passé laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Et bien joué dans la profondeur. Mais non, finalement, ça n'ira pas plus. Attention, ballon en profondeur. Il s'empare du ballon. Et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. L'engagement de la part des Parisiens, il faut réagir après ce but encaissé. Attention, ça peut être dangereux. Bien parti dans le dos. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et le ballon est détourné sur le montant. Ah oui, c'est bien joué. Il peut frapper Greenwood. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. Et ce corner est renvoyé par la défense. La frappe est bien contrée. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Arrêtons-nous sur la prestation d'Ousmane Dembélé. C'est assez décevant. Aïe aïe aïe, il n'arrive pas à porter le danger dans la surface. Le début de la deuxième mi-temps et donc le PSG est mené d'un but. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et voilà une touche là pour l'OM. Et un changement côté parisien.
Ouais, la jolie passe dans la profondeur. Ah, une perte de balle là pour l'OM. Zaïre Emery. Ah, c'est intercepté. La perte de balle du PSG. Vers la surface, le centre par bien, c'est bien joué. Ah, le gardien se touche bien au sol sur l'intervention. Ça ne gagne pas, mais ça débarrasse. Le PSG qui va faire un changement. Nuno Mendes. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Vitinha. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et peut-être un bon contre à négocier là. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le duel pour récupérer la balle. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Il peut tenter sa chance. Oh, magnifique! Quelle reprise de volée! Voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Vitinha. Zaïre Emery. Ousmane Dembélé qui progresse. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Kolo Muani à la réception. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Un ballon perdu pour l'OM. Marquinhos. Vitinha. Fabien Ruiz. Bien joué dans le dos de la défense. Ah, il s'est bien défendu et ça écarte le danger. Des solutions en attaque là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Le ballon n'est contrôlé par aucun des deux milieux là. Faute, et oui, il y a faute. Et donc l'attaque n'ira pas plus loin. C'est un avertissement là pour Marquinhos. Attention, la prochaine fois, ça va coûter plus cher. Ballon sorti, renvoie au 6 mètres.
Fabian Ruiz. Vitinha. Ballon récupéré par les Marseillais. Marquinhos. Fabian Ruiz. Ballon intercepté, bonne intervention. Harit. Oui, attention à ce ballon-là. Greenwood. Oh, le chef-d'œuvre, la merveille. Quel but, ce ciseau acrobatique. Mais quelle inspiration. Ça fait donc 4-1. 3 minutes en plus, annonce l'arbitre. Il y a du soutien en attaque. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Oui, sans commettre de faute. Et c'est terminé, la joie des Marseillais remporte ce match. 3 points de plus donc pour l'OM. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très très grand match de sympa. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.